بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار continue l'explication du livre Al-Wajiz في فقه السنة والكتاب العزيز. Dans le dernier cours, on avait traité du chapitre de l'Asaba. Qu'est-ce que l'Asaba? Quelle est sa définition? Qui sont l'Asaba? Non? C'est le jam' de Asib. Non? C'est Kat-Talibou ou Talibat? Kat-Talibou. Comment ça? Étudiant. Eh oui. Kat-Talibou et... At-talaba, pas at-talaba. At-talaba, c'est le féminin. Donc c'est kat-talibu wa at-talaba. Naam. Que signifie al-asaba? C'est toutes les personnes proches. Naam. Tous les hommes ou les personnes proches du défunt. Naam. Tous ceux qui sont proches du défunt. Et quelle est leur particularité? Naam. Ça peut être des hommes, mais ça peut aussi être... Des enfants. Des enfants, mais ça peut aussi être... Des femmes, on l'a vu la semaine dernière. Donc ce sont toutes personnes proches, ça peut être des hommes ou des femmes. Quelle est leur particularité? C'est qu'ils ont... Ils prennent le reste. Ils prennent le reste. Ce qu'on a donné à chaque personne, sa part. Non, ils prennent le reste lorsque chaque héritier qui a une part définie, a pris sa part. Donc lorsque la part d'héritage est distribuée aux personnes qui ont min ashab al-furud, qui ont une part déterminée dans le Coran ou dans la sunna du professeur Asselem, le reste revient à qui? À al-asaba. Et s'il ne reste rien? Ils n'ont rien. S'il ne reste rien, alors ils n'ont rien. Taïb. Et on avait dit que Al-Asaba se divisait en deux catégories. Il y avait Al-Asabatu Al-Nasabiyya et Al-Asabatu Al-Sababiyya. Quant à Al-Asabatu Al-Sababiyya, c'est-à-dire l'Asaba qui a une cause extérieure, quelle est cette cause extérieure? L'affranchissement. Lorsque un maître affranchit son esclave, si son esclave amenait à mourir et qu'il n'avait pas de Asaba et d'héritier direct, alors c'était son maître qu'il avait auparavant affranchi qui héritera de lui. Et quant à Al-Asabatu Al-Nasabiyya, quelle est-elle? Elle est de trois sortes. Al-Asabatu Al-Nasabiyya. Donc Al-Nasabiyya, c'est celle, c'est l'Asaba. Et quelle est la cause de celle-ci, de cette catégorie de l'Asaba? C'est le lien de parenté. Donc ce sont des personnes qui font partie de l'Asaba et le lien qui les lie entre eux et le défunt, c'est le lien de parenté. Al-Nasab. Il y a trois sortes de Asaba. Nasabiyya, il y a al-asabatu binafsihi. Ceux qui sont asib ou asaba de par eux-mêmes, comme par exemple le fils, comme par exemple le fils du fils, le frère, l'oncle,
Le père, c'est un ansible, le père? Non, il a une part. Non, il a une part. Il a une part, mais est-ce qu'il peut aussi être un ansible? Il peut être un ansible. Le père fait partie des personnes qui ont une part d'héritage, mais qui aussi peuvent être ansible. Ils peuvent être ansible. On verra des exemples où, en l'occurrence, dans l'un des exemples, le père sera ansible, c'est-à-dire qu'il aura le reste de ce qu'il reste après le partage. Ensuite, il y a al-asabatu bi ghayrihi, ceux qui sont ansible, mais non pas par eux-mêmes, mais par autrui. Comme comme Al-Bint fait partie de Asaba Birayrini, la fille. La fille. Et bon? La fille du fils. La fille du fils. T'as vu la fille du fils? Elle est Asaba. Grâce à qui? Grâce au fils. Et s'il n'y avait pas eu de fils, elle n'aurait pas fait partie de Al-Asaba. Il y a Al-Asabatu ma'a ghayrihi. Il y a ceux qui sont ansibles en même temps que les autres. En même temps que d'autres. Et ça, on l'avait vu. Comme par exemple, les frères, les sœurs avec les filles. Les sœurs avec les filles. On l'a vu dans le Hadith d'Abd ibn Mas'ud. Quel est le partage qui avait été fait lorsque le défunt laisse une sœur? La fille, s'il laisse une sœur, la fille du fils et. Et la fille. La sœur et la fille du fils. La fille du fils et la sœur. La fille. La fille du fils et la sœur. D'accord. La sœur a. La sœur. Et la fille. Et la fille du fils. La moitié. Après la fille du fils. Elle a le reste des deux tiers. Elle a le reste des deux tiers, donc. Non, ça c'est la fille, c'est la sœur qui a le reste des. Non. Elle a un tiers. Un sixième. Un sixième. Le reste est année. Lorsqu'un défunt laisse sa fille, la fille de son fils et sa sœur. Un demi plus un sixième. La fille aura. Et année, la fille et la fille du fils se partagent les deux tiers. La fille aura la moitié fils, et la fille du fils un sixième. Et le reste revient à la sœur. Et on avait dit qu'il y avait Al-Qiyas, qui avait par l'analogie les sœurs consanguines et les sœurs germaines. Que la sœur germaine et la sœur consanguine, que ce cas était similaire à la fille et à la fille du fils. طيب. Donc aujourd'hui on va entrer dans le chapitre de Al-Hajj wal-Hirman. Al-Hajj wal-Hirman, qui signifie le fait de d'être un voile ou un obstacle pour Al-Hajj, et Al-Hirman c'est le fait d'interdire. Ta'rifuhuma Al-Hajj lughatan al-man'a wal-maqsud bihi man'u shakhs mu'ayyan min mirathihi kullihi aw ba'dihi li wujud shakhs akhar. والحرمان المقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع. Donc la définition de l'hajb en langue arabe signifie al-mana, c'est-à-dire interdire. والمقصود به est ce que sa signification en religion signifie de priver une personne bien définie de sa part d'héritage entièrement ou une partie de celle-ci lorsqu'une autre personne est présente. Donc al-hajj, c'est de priver une personne de sa part d'héritage, d'une partie de sa part d'héritage ou de la totalité de sa part d'héritage lorsqu'une autre personne est elle aussi présente. Comme par exemple, lorsqu'il y a le fils du fils et le frère. Le fils du fils et le frère. Combien aura le fils du fils? Déjà, combien aura le frère? Rien. Pourquoi? Car le fils du fils. Car il y a le fils du fils. Et combien aura le fils du fils?
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. On continue. On a vu que al-hajbu qui avait deux sortes, al-hajbu nuqsan ou al-hajbu hirman. Quant à al-hajbu nuqsan, il concerne cinq types de personnes: le mari, l'épouse, la mère, la fille du fils, la sœur consanguine. Puis l'auteur définit Hajbul Hirman, la privation totale, qui est le fait de priver l'ensemble de l'héritage d'une personne lorsqu'une autre est présente. Comme le fait de priver le frère de toute part d'héritage lors de la présence du fils. عند وجود الابن. Et حجب الحرمان, c'est-à-dire la privation totale, ne concerne pas six catégories de personnes. Il y a six catégories de personnes qui ne peuvent pas être privées totalement de l'héritage. Il y a les parents, le père et la mère, il y a les enfants, le fils et la fille, et il y a les deux époux. Dans aucun cas, en aucun cas, ils ne doivent être privés totalement de la part d'héritage, mais comme on l'a vu précédemment, ils peuvent être privés partiellement, c'est-à-dire que leur part peut être diminuée, mais en aucun cas annulée. ثم يقول المؤلف يدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة. Et en dehors de ces six, des parents, des deux, du père, de la mère, du fils, de la fille et des époux, toute autre personne peut être assujettie à une privation totale. وحجب الحرمان قائم على أساسيين. أولا أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها. ثانيا يقدم الأقرب على الأبعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. Et حجب الحرمان est basé sur deux piliers essentiels. Le premier, c'est que toute personne qui a entre lui et le défunt une autre personne ne peut hériter en présence de celle-ci. C'est-à-dire que celui qui hérite et qu'il y a entre lui et le défunt une autre personne, lorsque cette autre personne est présente, celle-ci ne peut pas hériter. Par exemple, le fils du fils. Autrement dit, le petit-fils. Quelle est la relation entre le défunt et le petit-fils? C'est le fils. La règle est que le petit-fils, c'est-à-dire le fils du fils, ne peut pas hériter lorsque la personne qui fait la relation entre lui et le défunt est présente. Et ici, c'est le fils. Donc, lorsqu'il y a le fils du fils ne peut pas hériter. Il y a exception à cela, ce sont les enfants de la mère. On l'a dit, les enfants de la mère, ce sont qui? Ce sont qui les enfants de la mère? Le frère. Autrement dit, quand on dit les enfants de la mère, c'est-à-dire la mère de qui? Du défunt. Les enfants de la mère du défunt, ce sont qui? Ce sont ses frères et sœurs utérins. C'est-à-dire qu'ils partagent avec eux la même mère, mais qu'ils n'ont pas le même père. Eux, ils peuvent hériter même avec la présence de... Non. Les enfants de la mère, quelle est la relation entre les enfants de la mère et le défunt? C'est la mère. Quelle est la relation entre les enfants de la mère et le défunt? C'est la mère. On a dit que les enfants de la mère, ce sont les frères et sœurs utérins.
Donc, ce qui relie le frère du terrain au défunt, c'est la mère. Et on a dit la règle, c'est que lorsque une personne te lie au défunt et qu'elle est présente, tu ne peux pas hériter. Mais ici, les enfants de la mère, on dit que c'est une exception car ils héritent même s'il y a la mère. Car Allah Azza wa Jalla a dit فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Et s'ils sont au-dessus de deux, alors ils se partagent le tiers. Et si ils sont seuls, c'est-à-dire soit il y a un frère, soit il y a une sœur utérine, alors ils ont chacun le sixième. Et ceci, que la mère soit présente ou qu'elle ne le soit pas. Et la deuxième chose qu'il faut connaître dans Hajjul Hirman, dans la privation totale, c'est qu'on doit toujours précéder le plus proche. Qu'on doit toujours précéder le plus proche du défunt. Comme par exemple, le fils, il prive le fils de son frère. Le fils du frère. Le fils prive le fils du frère. Le fils du frère, c'est qui ? C'est le cousin. C'est le cousin. Lorsqu'il y a le fils, le cousin n'hérite pas. Donc ici, en termes de degré, le fils est un degré supérieur que le cousin. Et lorsqu'ils sont au même degré, comme l'a dit l'auteur, lorsque ce sont deux frères, lequel prévaut ? Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'on peut appliquer ici le plus proche, la règle du plus proche, s'il y a un frère germain et un frère consanguin, comme l'a dit l'auteur, lorsqu'il y a un frère germain et un frère consanguin, c'est-à-dire lorsque le défunt décède et qu'il laisse derrière lui son frère du même père et de la même mère et un autre frère du même père, lequel héritera? C'est le germain. Et le frère germain prive le frère consanguin. Le frère germain prive le frère consanguin. Pourquoi? Parce qu'il est plus proche. Parce qu'il est plus proche du défunt que le frère consanguin. Car le frère germain, ce qui le lie au défunt, c'est à la fois le père et la mère. Et le frère consanguin, ce qui le lie au défunt, c'est uniquement le père. Donc le premier est plus proche que le second, il le prive donc. Très bien, ainsi se termine le livre de l'héritage de Kitab al-Wajib. Bien sûr, l'auteur n'a pas défini, il n'est pas entré dans les détails de l'Hajj ou l'Hirman, car il y a des détails, beaucoup, beaucoup même de détails. Savoir que dans les livres de fiqh, ils sont cités les personnes qui privent les autres. Les personnes qui privent les autres. Et, Inch'Allah, pour les arabophones, et j'essaierai de traduire si j'en ai la possibilité, il y a un tableau très bien fait, je vous photocopierai, Inch'Allah, qui décrit l'ensemble des personnes qui héritent. Et qui, yani la part qu'il a en fonction des différentes circonstances, et également qui prive qui. Avec un système de flèches, on voit yani très, très visiblement quelle personne prive l'autre. Inch'Allah, je vous ferai une photocopie et j'espère pouvoir le traduire et vous donner à ceux qui ne sont pas arabophones une partie aussi. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, on va donner des exemples sur des cas concrets. D'héritage et essayer de trouver la part de chacun en fonction de tout ce que l'on a pu voir. On va utiliser le tableau, c'est obligatoire. Donc avant déjà de parler d'exemples concrets, il y a d'abord ce qu'on appelle tarsil al-farida, ce qui signifie comment définir les parts de l'héritage. Les parts totales, le nombre de parts qu'il devra être partagé.
il y a plusieurs types de cas, des règles à connaître dans Tarsil al-Farida. Premièrement, lorsque les héritiers sont tous des asaba, c'est-à-dire que le défunt ne laisse derrière lui aucun héritier qui a une part bien précise dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, une personne qui décède et qui laisse derrière lui un fils et un fils. Ici, il y aura combien de parts ? Trois parts. Une. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les fils font partie de l'Asaba. Il n'y a pas, le fils ne fait pas partie de Ashab al-Furud. C'est-à-dire que dans le Coran et dans la Sunna, il n'y a pas de part bien définie pour le fils. Mais le fils aura une part de l'héritage de ce qu'il reste. Et s'il ne reste rien après le partage, il n'a rien ou pas ? Non, il doit avoir quelque chose. Il doit avoir quelque chose. Ouais. On a dit que le fils fait partie de l'exception, c'est-à-dire qu'en aucun cas le fils ne doit être privé. Ensuite, donc là, c'est quand les asaba sont tous des hommes. Lorsque ce sont des femmes, lorsque le défunt décède et laisse un fils. Et une fille. Combien de parts va y avoir ? 5. Combien de parts ? 5. Pourquoi ? Parce qu'il vaut deux. Parce que le fils vaut deux. Donc le fils aura une part double de celle de la fille. Le deuxième fils aura aussi une part double de celle de la fille. Et la fille aura une part. Donc il y aura 5 parts à se partager. Après, ensuite la troisième règle, c'est que lorsqu'il y a dans les héritiers une personne qui fait partie des héritiers qui ont une part définie, Ashab al-Furud, et les autres qui sont à la Asaba. Comme par exemple la mère et le fils. La mère a un sixième ou un huitième ? Un sixième. Elle a un sixième. Pourquoi est-ce qu'elle a un sixième ? S'il n'y avait pas le fils, elle aurait eu un tiers. Et le fils aura 5 sixièmes. Aura 5 sixièmes, aura le reste. Mais si, yani, aura les 5 sixièmes. Et si en fait... Avant de séparer, la mère a un sixième, le fils n'a pas de part définie. Et quand il y a dans les héritiers une personne qui a une part définie et une autre qui n'a pas de part définie, alors le nombre de parts est égal au dénominateur de celui-ci, au seul dénominateur. Et ici, ce sera 6. Donc ici, la mère en aura 1, le fils en aura 5. Voyez ? Ensuite, il y a le quatrième cas, et c'est le plus complexe. Le quatrième cas, c'est lorsqu'il y a plusieurs héritiers qui ont des parts définies. C'est là où ça se complique un petit peu. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers qui ont la même part, les savants disent qu'il y a 4 type de cas. Et dans le quatrième cas, il y a 4. Il se subdivise en 4 situations. La première, la similitude. Ce que les savants appellent al-tamathul. La similitude, c'est-à-dire lorsque il y a les mêmes parts. Par exemple, le père. La mère et le fils. Le père ici a combien ? Un sixième, pourquoi ?
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. Et à chacun des parents, le sixième de ce que le défunt aura laissé, s'il a des enfants. Ici, il y a un fils. Donc, le père et la mère auront chacun un sixième. C'est ça qu'il faut apprendre par cœur les parts, sinon c'est impossible de s'en sortir. Un sixième, et le fils n'a pas de part définie. Non. Donc ici, on a une similitude, à savoir qu'on a un sixième et un sixième. Donc, on prend six comme dénominateur commun. On prend six comme dénominateur commun. Et donc, il y aura donc six parts. D'accord ? Oui. Donc ça, c'est le cas A. Le cas A qui est la similitude. Le cas B, qui est ce que les savants appellent, je ne sais pas comment le traduire, التداخل. Donc ici c'est التماثل. التداخل, c'est lorsque il y a une part qui entre dans l'autre. Par exemple, le père. Pas le père. On met le mari. Le mari, la fille et le frère, le laisser comme consanguin. Ici, le défunt a laissé. Le défunt ou la défunte ? Le défunt. Le défunt a laissé un mari, une fille et un frère consanguin. Un frère Jérafon. Germain. Le mari ici aura combien ? Un quart. Pourquoi ? Elle a fait des enfants. Il aura un quart parce que il y a une fille. S'il n'y avait pas le quart, s'il n'y avait pas la fille, il aurait eu la moitié. Donc ici on a un quart. La fille a combien ? Elle aura aussi un quart. Non, elle aura pas un quart. Frère consanguin, un sixième. Le frère retour. La fille, elle a un demi. Elle a la moitié. إن كانت واحدة فلها النصف. Allah عز وجل dit ici elle est seule. Mais le frère. C'est le frère du défunt. Il faut toujours revenir au défunt. Ici la fille elle est seule. Donc elle a la moitié. Ici, et le frère n'a pas de part définie. Ici, le quart, est-ce qu'il entre dans le demi ? Oui. Donc ici il y a التداخل. Et quand il y a التداخل, on doit prendre le plus grand dénominateur. C'est 4. Donc ici, il y aura 4 parts. Il y aura 4 parts. Le mari en aura une. La fille en aura deux. Et le frère en aura une. D'accord ? Ensuite, le cas B, le cas C, ça j'efface. Le cas C, c'est ce que les savants appellent At-tawafuq. Qu'est-ce que At-tawafuq ? C'est lorsqu'il y a des dénominateurs qui sont multiples de 2, mais dont l'un n'est pas multiple de l'autre. Dont l'un n'est pas multiple de l'autre. Comme par exemple, un défunt qui laisse un mari avec la mère et un fils. Ici, le mari aura combien ? Le mari aura un quart. Un quart. Parce qu'il y a un fils. La mère aura un sixième. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fils. Et le reste revient au fils. Ici, on a un quart et un sixième. Est-ce que 4 et 6 sont des multiples de 2 ? Oui. Est-ce que 4 est un multiple de 6 ? Non. Non. Dans ce cas, les savants disent, lorsque les deux sont multiples de 2
et que l'un n'est pas multiple de l'autre, alors on doit prendre l'un et le multiplier par la moitié de l'autre. Donc là, on fait 6 fois 2. Fois 2. Et si tu, donc ça fait 12. Et si tu prends 2 divisé par 6 divisé et si par tu 2. Prends 3 divisé par 4, multiplié par 2, qui est la moitié de 4, tu retrouves dans la classe 6. 3 multiplié par 4. Non, ouais, tu prends un 6ème. Tu fais 3 multiplié par 4. Ça fait 2 égales. Donc ici, 6 multiplié par 2, 6 multiplié par la moitié de 4, ou bien 4 multiplié par la moitié de 6. Dans tous les cas, tu retrouves 12. Donc ici, il y aura 12 parts. Le mari en aura 3, la mère en aura 2, et le fils en aura 7. C'est clair ? Ce qu'on appelle la tawaf. Et il y a At-Tabayun, qui est le dernier cas. C'est lorsque l'un n'est pas multiple de l'autre. Lorsque l'un n'est pas multiple de l'autre et qu'ils ne sont pas des multiples de deux. Par exemple, l'épouse le frère du terrain et le frère consanguin. Ici, l'épouse aura combien ? Un quart. Elle aura un quart. Le frère du terrain. Tout seul, il n'y a pas un sixième. La femme. Un sixième. J'ai mis au pluriel. Les frères du terrain. C'est-à-dire qu'ils ont la même mère. C'est partage de tiers. Partage de tiers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plusieurs. S'ils avaient été un, ils auraient eu le sixième. Et le frère consanguin aura le reste. Donc ici, il y a 4 et 3. 4 et 3 ne sont pas des multiples. 4 n'est pas multiple de 3. Et ici, les deux ne sont pas à la fois des multiples de 2. Donc la règle est qu'on multiplie 4 fois 3. Qui est 12. Donc là, ici, on a 12. Ici, 3 pour l'épouse, 4 pour les frères, et le reste pour. C'est combien ? 5. Vous voyez ? Moi j'avais un 4. Il y a des cas plus compliqués. Mais il y a des cas où le tableau ne suffira pas. Hein ? Et ici, combien est-ce qu'on donnerait aux frères ? On divise les deux. Parce que 4, est-ce que c'est divisé par 3 ? C'est pas combien de frères. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et il faudrait savoir le nombre de frères. Si on a 3, c'est 12 divisé par 3, c'est 2. Non ? Non, c'est pas plus. C'est sur les 4 parts du coup. C'est sur les 4 parts. Je sais pas, moi je vais dire. Ils sont pas, je sais pas, 3 frères. Ils sont 3 frères. Oui. C'est une famille nombreuse. Il y a 9 frères. C'est vrai. Tu partages par identique, non ? Oui, mais combien ? Je disais. Ici, ça va juste pour regarder le nombre de têtes et tu multiplies. Donc tu fais 9 fois 12. 9 fois 12, ça fait 100 000. Hein? 100 000. 108 divisé par 4. 27. Hein? 27. C'est sûr ? Ouais. 108 divisé par 9 ? Ça fait 12. Ça te fait 12. 12.
Et 108 divisé par 5. Je suis d'accord, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. On multiplie ici par 9. Donc ici, on fait 3 fois 9, 27. Ici, on fait 4 fois 9, 36. Et 9 fois 5, 45. Et normalement, la somme, là, ça doit faire 108. C'est confirmé ou pas? Voilà, donc on a l'épouse qui aura 27 parts, qui aura 27 108e, le frère qui auront donc chacun 36, leur part totale est de 36, ils sont 9, donc chacun aura 4 parts, chacun aura 4 parts, voilà, chacun aura une part de 408e, chacun aura 408e, d'accord, et le frère consanguin, lui, aura 45 108e. C'est clair? Très bien. On va passer au démon. Très bien. Premier exemple, donc c'est plus simple. Un défunt qui laisse derrière un mari, qui laisse une mère, et 3 fils. Combien aura le mari? Un quart, pourquoi? Parce qu'il y a des enfants. Combien aura la mère? Un sixième. Parce qu'il y a des enfants. Et des enfants. D'accord? Et bien, elle a trait de combien? Combien y aura de parents? 12, pourquoi? Parce qu'on a 6 et 4, les deux sont des multiples de 2, mais l'un n'est pas le multiple de l'autre. Donc on fait l'un multiplié par la moitié de l'autre. Donc on a 12 parts. 12 parts, le mari en aura 3, la mère en aura 2. Et le reste, c'est combien? 7. 7. Comme on a dit, que 7 est divisé par 3, donc on multiplie par le nombre de têtes. Ici, il y a 1, 2, 3 têtes. Donc on fait x 3, ça fait 36 parts en tout. Donc ici, ça fait 3 x 3, 9. 3 x 2, 6. Ça fait combien? Il reste combien? Donc 7 chacun. 7 chacun. Il reste combien? 36 moins 9 moins 6. Ça fait 21 divisé par 3, c'est 7 chacun. C'est bon? Allez, le deuxième exemple. Le deuxième exemple qui ressemble beaucoup à celui-là. On va passer au troisième. Je l'efface celui-là, c'est bon? Deuxième exemple. Un défunt qui décède et qui laisse derrière lui son épouse et laisse une fille, deux filles, trois filles. Il laisse une mère. Et il laisse son oncle paternel. Et la somme totale qui a été laissée est de 280 000 euros. Après que tout ait été déduit, cette dette, ses funérailles et ses testaments. Et son enseignement.
Combien est-ce qu'on divise tout ça? Donc déjà, on fait notre tableau. C'est possible ou pas ça? Qu'il y ait un cas comme ça? Attendez, combien on aura les fausses? Alors un huitième, pourquoi? Qui est défini? Les filles se partagent les deux tiers, non? Ouais, les filles se partagent les deux tiers. Elles se partagent les deux tiers. C'est ça. Quoi? Elles sont plus de deux. Elles sont plus de deux, donc elles se partagent les deux tiers. La mère? Un sixième. Alors un sixième, pourquoi? Et les enfants, et l'on aura le reste. C'est parti de la rassemblée, on aura le reste. Et la rassemblée, souvent, ils le décrivent avec un rin en arabe. Comme rassé. Le nombre de parts ici, il est combien? 4, 16, 9, 8. C'est 24. 48. On a un huitième, le deux tiers, on ne va pas le prendre en compte, on a un huitième et un sixième. Les deux sont-ils des multiples de deux? Ouais. Est-ce que l'un est multiple de l'autre? Non, je multiplie par le 48. Donc, je multiplie par la moitié de l'autre. Donc, je fais 6 fois 4, ou bien je fais 8 fois 3. Ça fait 24. Donc là, j'ai 24 parts. Dans les 24 parts, la femme, l'épouse aura combien? 3. Les filles? 16. 8 par 3. 8 par. Non? Combien aura 16. Pourquoi 16? 8 fois 2. Non? 8 fois 2. Ouais. T'as 16 pas. 2 tiers, c'est 16 24e. 2 tiers, ça fait 16 24e. D'accord, donc 16 par 3, c'est 16. 16 fois 3. Vous avez compris ou pas? Pourquoi? Parce que c'est les 2 tiers. 8 fois 3, ça fait le dominateur. C'est 24, donc 8 fois 2, 16. Ça fait 2 tiers de 24. Ouais. Ça fait 16. C'est la mère? 4. On aura 4. Et le reste, Combien? 1. 16, est-ce que c'est divisé par 3? Il y a 3 filles. Non. Donc, on multiplie par le nombre de têtes. Ici, il y a 1, 2, 3. Donc, on multiplie par 3. 3 fois 24, ça fait 38. 72. C'est 72. Combien aura la mère? 9 pas. 9. 48 par 48. Donc 16 pour chaque 48, personne. Ça prend 16 pour chaque fille. 16 pour chaque personne. 16, 72. 16. Moi, tu me dis pas, donc ça 16. 16. La mère? 12. On en aura 12. Et 3. Et non, on en aura 3. Ça fait combien en euros tout ça? Tu divises par 72, tu multiplies par le nombre de parts divisé par 72. 280 000 divisé par 72 multiplié par 9, ça fait combien pour l'épouse? Apprenez, si vous avez quelques prises, prenez. Ça fait 4 fois 72, ça fait 24. C'est chiffre à verrier quand même. Ça fait 4. Un huitième de 288 directement. 4000 euros la part. Un huitième de 288. 288 divisé par 72, ça fait combien la part? Ça fait 4. C'est ça, voilà. Ça fait 4000 la part. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc 9 fois 4, ça fait 36 000. D'accord. 16 fois 4, ça fait combien? 64. 64 000 pour chacune des filles.
La mère aura 48 000. Et l'oncle paternel 3 fois 4 12 000. Et normalement, donc l'épouse aura 36 000 euros, chacune des filles aura 64 000, la mère en aura 48 000 et l'oncle paternel en aura 12 000. Et normalement, la somme totale fait 280 000. Donc ici, c'est qui en profite le plus? C'est toujours les enfants. Et là, les femmes qui ont plus que l'oncle, qui lui est un homme. Il n'y a pas une législation plus juste que l'islam. Troisième exemple. Un défunt qui décède en laissant 102 000 euros. D'accord? Donc ce 102 000 euros-là, il laisse aussi 11 000 euros de dette. On a dépensé 1 000 euros pour ses funérailles. Et il a fait, dans son testament, il a donné le testament d'un tiers de ses biens. Donc déjà, ce qu'il a laissé, c'est 102 000. D'accord ? Ensuite, il laisse derrière lui sa fille. Il laisse son père, il laisse sa mère, il laisse son frère germain et il laisse son oncle paternel. Avant de faire le partage, combien est-ce que sera la part qui sera destinée à l'héritage? 60 000 euros. Pourquoi? On a 102 000 moins 11 000, ça fait 91 000. Donc c'est moins 11 000 des dettes, on a remboursé ces dettes. Ensuite, on a dépensé 1 000 euros pour ses funérailles, ça fait 90 000. Et il donne un tiers de ses biens. Donc c'est un tiers de ses biens après avoir déduit ses dettes et ses funérailles. Et un tiers de 90 000, c'est 30 000. Donc on fait 90 000 moins 30 000, ça fait 60 000 euros. Donc il y aura 60 000 euros à partager entre les héritiers. Allez, ici la fille aura combien? La moitié. Pourquoi? Parce qu'elle est toute seule. Ensuite, le père, combien est-ce qu'il aura? Un sixième. Un sixième, pourquoi? Parce qu'il y a une fille. Parce qu'il y a une fille. La mère? Pareil, un sixième parce qu'il y a une fille. Le frère germain et l'oncle paternel? Ils n'ont rien du tout. Parce qu'il y a le père. Parce qu'il y a le père. Le père, il vient priver le frère, Germain et l'oncle. Ça, on ne l'a pas vu. Donc ici, le frère aura 0 et l'oncle aura 0. Qu'est-ce qui les a privés? Le père. Parce que lorsqu'il y a le père, les frères et l'oncle, en l'occurrence, sont mahjoubin. Mahjoubin. Taïm. Ici, ça nous fait combien de parts? C'est par 2, 5, 2, 5,
6 parts. On prend le dénominateur le plus grand. Donc là, il y a 6 parts. Combien aura la fille ? 3. Non, 4. Combien aura la fille ? 3 parts. Combien aura le père ? Une part. Combien aura la mère ? Une part. Ça fait combien ? 5. Non, 1. 6 parts. C'est qui prend la dernière part qui reste ? C'est le père. Pourquoi ? Parce qu'il est assez dossé. Il fait partie de la race en bas, c'est-à-dire qu'ils prennent ceux qui ont le droit de prendre ce qu'il reste après le partage. Donc ici, le père en aura 2. Le père aura 2 parts. Donc ici, la fille, combien est-ce qu'elle aura en euros ? Elle aura 30 000 euros. Le père en aura 20 000. Et la mère, elle aura 10 000 euros. Et le père, il bloque les autres parce qu'il est plus proche pour le... Ouais. Parce qu'il est plus proche. C'est le seul héritier qui bloque les autres. Qui bloque ? Il bloque les autres comme ça. En regardant le tableau justement que je voulais photocopier, on voit le père, il bloque tous les frères. Il bloque l'ensemble des frères. Sauf les fils. Et le grand-père. C'est-à-dire que lorsqu'il y a le père et le père du père n'hérite pas s'il y a le père. Pourquoi ? Parce qu'on applique la règle. Le grand-père, ce qu'il y a entre lui et le défunt, c'est le père. Donc s'il est là, le grand-père n'hérite pas. D'accord ? Et ça, c'est l'ordre à suivre d'être funéraire testament. On avait dit, c'était quoi le moyen mnémotechnique pour s'en rappeler ? Tadoum, ça c'est. Tadfin, Tajhid, ça c'est le. Dein, ça c'est l'Ansouya. Et le mime, c'est Mira. Et le mime, c'est Mira. Donc ici, il y a toujours la règle de priorité, le premier c'est les funérailles qui passent en premier. Ensuite c'est les dettes. Ensuite c'est le testament. Donc c'est vrai, j'aurais dû mettre les 1000 euros avant les 11 000 dans le papier. Exemple suivant. L'exemple suivant, donc c'est un défunt qui laisse une somme de 420 000 euros déduite de tout ce qui doit être déduit. Qui laisse, donc c'est une défunte qui laisse son mari, qui laisse sa sœur germaine, qui laisse sa sœur. Consanguine et une autre sœur consanguine. Comment partager tout ça ? Donc là, on a le mari, la sœur germaine, la sœur consanguine. Et la sœur consanguine. Le mari aura la moitié, pourquoi ? Il n'y a pas d'enfant. Ensuite, la sœur germaine
Et les sœurs consanguines. Les sœurs consanguines se partagent la sixième, non ? La sixième. Qui se partage le sixième ? Les sœurs consanguines, ça. Pourquoi elles se partagent le sixième ? Parce que la sœur Germain. C'est le cas qui a été exposé à Abdallah ibn Mas'ud lorsqu'il y a la fille du fils et la fille. La fille du fils a le sixième et la fille la moitié. Et on avait dit que le cas similaire, c'était la sœur germaine avec la sœur consanguine. Donc ici, la sœur germaine et les deux sœurs consanguines se partagent les deux tiers. Avec un demi pour la sœur germaine. D'accord. Et quand on rentre dans les détails, c'est un demi pour la sœur germaine. Et c'est les deux ici qui se partagent. Un sixième. Ça fait un sixième pour la sœur germaine. Un tiers pour la sœur germaine. Un tiers pour la sœur germaine. Ça fait un tiers pour la sœur germaine. Pourquoi un tiers pour la sœur germaine? C'est un demi de deux tiers. Ouais. Ça fait un tiers. Tu multiplies un demi à deux tiers, ça te fait un tiers. Ouais, c'est ça. Un tiers. Non, elle a la moitié. La moitié des deux tiers, pareil. En revanche, elle a la moitié. Elle a la moitié. En fait, j'ai mis ça à titre. Si on applique le cas d'Abdallah ibn Mas'ud, la sœur germaine doit avoir la moitié. Les deux tiers. Non, la moitié. Elle a un nez. Et eux ont le sixième pour compléter les deux tiers. C'est la moitié. Ils ont dans le masala Abdallah ibn Mas'ud, c'est quoi? C'était que la fille avait la moitié et que la fille du fils avait le sixième qui vient compléter les deux tiers. C'est pas les deux tiers, donc. C'est pas le demi du deux tiers. Compris? Tu veux, à la rigueur, ça, ce deux tiers-là, il a du plus en erreur qu'autre chose. Et Annie, il faut seulement savoir expliquer ce sixième-là. Ce sixième-là, c'est le complément. C'est le complément des deux tiers. Des deux tiers. Mais là, ils n'ont rien. Pourquoi ils n'ont pas assemblé d'avoir un demi. Ça a assemblé d'avoir. Je ne peux pas avoir pris. Ça a obligé d'avoir. C'est pas possible. C'est Inch'Allah. Ici. Il y a combien? C'est une salade de combien? On a un sixième et un demi. On a dit, vous prenez le dénominateur le plus grand. Donc là, on a 6. 6 divisé par 3, ça fait 3. 6 divisé par 2, ça fait 3. 6 divisé par 2, ça fait 3. 0. Ici, 6 divisé par 6, ça fait 1. Donc on doit leur donner 1. Mais ça fait plus que 6. On doit leur donner 1. C'est leur part. On ne peut pas leur priver. On ne peut pas les priver. Subhanallah. On va le chercher où cette part? Bah cette part là ça fait combien en tout là? Ça fait 7. C'est 7, donc on fait 7. Ah d'accord. On fait 7, mais ici le 1 on ne peut pas diviser par le 2. Donc il y a combien de têtes ici? Une tête et une tête. Donc ça fait 2. Donc on fait 7 fois 2, ça fait 14 parts. Il y en aura 6. Elle en aura 6. 6 1 1 1. D'accord. Quand il y a des cas comme ça, où une personne n'a pas de part dans le partage et que c'est son dû, on doit lui donner, quitte à enlever un peu de des autres. Parce que ça me rappelle le fait d'arranger une situation pour trouver le compromis qui arrange tout le monde. Parce qu'on ne peut pas dire elle la moitié, d'accord, et elle. On en fait quoi? On les jette? Pourtant, elles ont le droit au sixième. Donc on est obligé de leur donner leur part. C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Autre exemple,
cinquième exemple, où un défunt laisse une somme de 23 000 euros. Donc, 1000 euros de dette et 1000 euros de testament. C'est-à-dire, il a voulu donner 1000 euros à une personne qui ne fait pas partie des héritiers. Il laisse derrière lui une sœur. Ça ne coûte rien, c'est funérailles. Germaine. C'est un exemple que j'ai donné. C'est déduit des funérailles. Les On va dire qu'ici, les funérailles, c'est quelqu'un d'autre qui a voulu les payer. La sœur consanguine, un autre frère utérin, un autre frère utérin et une mère. Comment on définit tout ça? Hein? La mère en prend un quart. La mère en prend un quart. Un quart? Pourquoi? Il n'y a pas d'enfant. C'est pas la femme. Ah, c'est la mère. Elle prend un sixième. Ensuite, la sœur, combien est-ce qu'elle prend? La sœur Germaine? Un demi. Pourquoi? Parce qu'elle est toute seule. Il n'y a pas d'autre sœur germaine. Parce qu'il y a la sœur consanguine. Mm. Elle a la moitié et elle a le sixième. Alors, la mère, elle ne prend pas deux tiers. Hein. Il n'y a pas d'enfant. Mais pourquoi dans la masse, il dit pour compléter à deux tiers? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi? Tu prends un demi plus un sixième, ça fait deux tiers. Un demi plus un sixième, ça fait combien? Deux tiers. Voilà. Un sixième, et comment t'expliques ce un sixième? Parce que c'est le complément de deux tiers. Avec le demi. Pourquoi ici la mère a un sixième? On est les deux. Pourquoi il y a la sœur germaine des frères considérée comme un fille? Ici, il y a un groupe de frères. Ouais. Et ça peut être aussi un groupe de sœurs. Ici, il y a un groupe de frères utérins. Et lorsqu'il y a un groupe de frères, que ce soit des frères utérins, germains ou consanguins, la mère. Il n'a plus le tiers, mais le sixième. Et si ça mélange de frères et de sœurs? Pareil. J'aime un minal ikhwa. Ikhwa, ça veut dire ikhwa, c'est frère et sœur. Ou frère ou sœur mélange. Ça peut être deux frères, une sœur, deux sœurs, un frère. D'accord. Et les frères, ils ont combien? Un tiers. Ils partagent un tiers. Pourquoi ils ont un tiers? C'est le cadeau. Pourquoi ils ont? Combien ont ces trois frères utérins? C'est-à-dire qu'ils ont la même mère. Déjà, est-ce qu'ils ont le droit d'hériter, sachant que c'est leur mère qui est le lien entre eux et les deux? C'est l'exception. C'est l'exception. Donc ici, les frères utérins, c'est l'exception. Combien est-ce qu'ils ont? On a dit un tiers. Pourquoi est-ce qu'ils ont un tiers? On avait dit quoi la condition pour que les frères utérins héritent? Il faut que le défunt qu'il soit deux plus. Hein? Qu'il soit deux plus. Ce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas les frères et sœurs. Le défunt n'a pas de descendance. Et ici. Les frères utérins, lorsqu'ils sont plusieurs, ils ont le droit au tiers. S'ils étaient un, s'il n'y en avait qu'un, il aurait eu le sixième. À partir du moment où ils sont deux ou plus, ils ont le tiers. Très bien. Combien ça fait ça
En nombre de parts. Je prends 6. C'est plus grand 6. On prend 6. Pourquoi ? Parce que. Ça, c'est un. C'est des multiples de 2. C'est tous des multiples de 2. Donc on prend le numéro 6. Et 6, ça fait combien de parts pour la sœur germaine ? 3. 3 parts. Pour la sœur consanguine, 1 part. 2. Pour eux ? Pour 2. 2 parts. Et la mère ? 1. Ça fait 7. Ça fait combien ? 7 parts. Ça fait 7 parts. On fait quoi ? On prive qui là-dedans ? On prive la mère, la sœur, consanguine. On fait le même calcul que tout à l'heure. Hein ? On fait le même calcul que tout à l'heure. On est obligé de passer à 7 parts. Pour que chacun ait. Et son droit, parce qu'ici, chacun a son droit, on ne peut pas lui enlever. Ici, les frères, 2, c'est divisé par 3. Donc on fait 7 fois 3. Ce qui fait en tout 21 parts. Donc ici, ça fait 9. Ici, ça fait 3. Les frères, chacun aura 3. Chacun aura 3 parts. Et la mère en aura 3. Elle aura combien la mère ? 3. C'est bien maté un peu ça ou pas ? Ouais. Hmm ? C'est sûr ? Non, c'est 25. C'est 24. Ça fait 24. Attends, c'est vrai. Si, ça fait pas mal. Non, c'est 2-2. Non, c'est 2-2. C'est 2-2, les frères. Je sais pas, j'ai dit 3, mais j'ai dit 3. Non, c'est 2. C'est combien les frères ? Non, c'est 2. C'est 3-3-3 ou 2-2 ? C'est le même, c'est 6 divisé par 3, ça fait 2-2. Ma soeur, c'est bon, c'est 2. C'est 3. Là, ça, c'est 3. Là, c'est 2. Là, c'est 2. Ils ont 2 fois 3. Ils ont chacun 2 parts. 2 et. J'ai bien 21 là ou pas ? Oui, ça fait 21. Ouais, c'est bon. C'est bon ? C'est bon. Ça fait 21. C'est l'exemple que je voulais vous montrer. Après, il y a d'autres exemples qui sont. Après, ça. Comme je vous dis, après, il y a des exemples qui sont. Beaucoup plus compliqués. On peut en voir un. Par exemple, un défunt qui laisse derrière lui. Derrière lui, son épouse, sa fille, et son frère. Combien est-ce qu'aura l'épouse ? Un huitième. Combien est-ce qu'aura la fille ? Un demi. Combien est-ce qu'aura le frère ? Le reste. Voilà, frère germain, pareil. Tu laisses elle de combien ça ? 8. De 8. Pourquoi ? Parce que 8 c'est divisé par 2. Et 8 c'est un multiple de 2. Donc on prend le plus grand. Ici l'épouse aura une part. La fille en aura. 4. Et le frère ? 3 parts. Qui en bénéficie le plus ? La fille. Et maintenant la fille. La fille décède. Pour fillette. L'état. Elle laisse derrière elle un mari, un fils, un fils et un fils. On va dire que le défunt, qui est ici le mari,
il a un commerce, par exemple, qui lui rapporte de l'argent même après sa mort. Donc tous les bénéfices du commerce devront être distribués de cette façon-là. Une part, 1/8 pour l'épouse, 4/8 pour la fille, et ça c'est la moitié, et 3/8 pour son frère. Et ça, c'est jusqu'à ce que le commerce fasse faillite. Tant qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est comme ça qu'il doit être fait. Ici, la fille décède quelques années après son père. Est-ce que cette moitié-là revient aux héritiers de la fille, ou est-ce qu'on dit non, la fille elle est morte, elle a profité pendant son vivant, mais maintenant qu'elle est décédée, on doit faire le partage entre l'épouse et le frère. Comment se ferait le partage entre l'épouse et le frère dans le cas où on ne prend plus la fille? Ça fera pareil, non? Il aurait cette part, un quart. L'épouse aurait un quart. Donc ça veut dire et le frère aurait trois quarts. Est-ce qu'on raisonne comme ça? Ou est-ce qu'on dit non? La fille, même si elle est décédée, la part de la fille revient à ses héritiers. La part, elle a été faite, donc c'est... Ça y est, le jugement, elle a été faite. Donc, ça revient à ses héritiers. On n'a pas le droit de dire, elle est morte, donc c'est bon, on la zappe. Non, ça, c'est un cas à ne pas faire. Donc ici, on a quatre. Il y a le mari et les trois fils. Combien aura le mari? Un quart. Un quart. Et les fils auront le reste. Trois quarts. Auront les trois quarts. Et la mère, elle touche pas la mère. Elle est morte. Chacun. Qui est la mère? Elle est au-dessus comme elle est vivante. L'épouse de... L'épouse, elle a toujours son huitième. Là, on parle de la fille. Elle ne touchera pas sur la fille. Sur l'héritage de la fille. Ah, ouais. De sa fille. Ok, t'as raison. T'as raison. Il y a les frères aussi. T'as raison, la mère aussi. Elle aura sa part. Ça. Donc ici, le mari aura un quart. La mère aura... Sixième. Alors, à combien la mère? Sixième jusqu'à deux. Pourquoi? J'ai des enfants. Ce sera le message de combien? 24. 9? 12. 12. De 12. Le mari aura 3 parts. Le fils, la mère en aura 2 parts. 2. 7. Ça fait 7. On est multiplié par 3. Une tête, 2 têtes, 3 têtes, ça fait 36. Donc ça fait 9. Ici. 3. Non. On a 7. Si tu fais 7, tu as 7. 7. 7. 7. 7. 7. Et si on aura 6. D'accord. Donc ici, eux auront le droit à la part de la fille initiale qui est décédée. D'accord. Et si ce fils décède lui aussi, et qu'il a des enfants, ainsi de suite. La seule condition, c'est que ce fils soit vivant. Et Annie, bon, là, on a donné l'exemple qu'il était vivant avant la mort de sa mère, mais s'il avait décédé avant sa mère, il n'aurait pas le droit. Il faut que sa mort succède celle de sa mère et non pas la précède. Et le fils du fils, il n'aura pas le droit parce qu'il y a des autres fils. Le fils du fils, c'est-à-dire? Donc tu dis, le fils il meurt là. Et il laisse un fils. Ce fils il meurt. Ouais. Et il laisse un fils. Ouais. Il n'y a qu'un fils. Ou je sais pas, une femme. S'il n'a qu'un fils, ce fils-là aura la part de son père, vu qu'il sera tout seul. C'est clair? C'est pour ça qu'après, avec les morts, etc.,
ça peut se compliquer. Il y a plein de choses dans l'hiat qu'on n'a pas vues qui sont. C'est vraiment vaste le sens de l'héritage. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Même dans les cas des hermaphrodites. Les hermaphrodites, c'est ceux qui sont nés avec deux sexes. D'accord ? Quand est-ce qu'on considère que ce sont des garçons ? Quand est-ce qu'on considère que ce sont des filles ? En fonction des. Juste un point concernant la Omariyyat. Il y avait une question qui avait été posée, je n'ai pas répondu encore, j'allais chercher. La Omariyyat, c'est quoi déjà la Omariyyat ? Est-ce qu'on veut le père, la mère et le conjoint ? Un des conjoints, les conjoints, les deux cas. Si c'est l'époux ou l'épouse. Donc la Omariyyat, c'est lorsqu'il y a le mari, le père et la mère. Et la mère. Ou lorsqu'il y a l'épouse, le père et la mère. Le père et la mère. Et la mère. On avait dit que dans le mariage d'Eden, comment ça se faisait le partage. Le mari prend un quart, le mari prend un quart. Non, la moitié. Le mari prend la moitié. La moitié du père prend la moitié du. La mère prend la moitié du. La mère prend la moitié du reste. Le tiers du reste. Le tiers du reste, c'est-à-dire. Un tiers de la moitié. C'est un tiers de la moitié. Un tiers de la demi, ça fait un sixième. Et le reste revient au père. C'est combien? Un tiers. La question est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Sinon, le père, il aura moins que la mère. Sinon? Le père, il a moins que la mère. Plus précisément, si on avait utilisé un cas normal, on aurait dit que le mari aurait la moitié parce qu'il n'y a pas d'enfant. La mère, elle aurait eu un tiers. On aurait dit que la mère, elle aurait eu un tiers parce qu'il n'y a ni enfant, ni un groupe de frères. Le père, il aurait un sixième. Et le père, il aurait eu le reste qui est? Un sixième. Un sixième. Et deux tiers, en fait, c'est égal à 2 sixièmes. Ici, si on avait utilisé le cas initial, la mère aurait eu la part double de du mari. Or, la règle dans l'héritage, c'est qu'un garçon et une fille, un homme et une femme, qui sont au même degré, le garçon doit avoir le double l'homme doit avoir le double de la femme, sauf cas d'exception. Sauf cas d'exception comme les frères utérins, frères et sœurs utérins. Mais il y a aussi une autre exception. Lorsqu'il y a le père, la mère et les enfants, chacun a un sixième, que ce soit le père ou la mère. Parce que là, il y a un verset qui est explicite. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de verset explicite. Donc on doit appliquer la règle que un homme et une femme qui sont au même niveau, l'homme doit avoir la part double de la femme. Donc ici, en ayant appliqué ça, on a le contraire, on a la femme qui a double de l'homme. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que vraiment le rapporteur Yadoralon a jugé que la mère allait avoir le tiers du reste. Pour qu'elle ait un sixième et le père deux sixièmes. Donc ici, le père a bien la part double de la mère. Et c'est pour ça que l'ensemble des compagnons l'ont suivi dans cela. C'est clair ou pas? Pas de questions? Pas de questions? C'est clair? C'est, vous êtes des spécialistes de l'héritage maintenant? Faire le tiers où il n'y a pas assez de. S'il n'y a pas assez de part. Ouais. Donc, s'il y a un demi, un demi, un sixième. On avait dit. La fille, la sœur consanguine et la sœur germaine. La fille, la sœur consanguine. Et
Bien sûr, Germaine. La fille a la moitié parce qu'elle est seule. La sœur Germaine, la sœur. Sœur Germaine. Non, tu avais le mari. Non, il y avait le mari, je ne sais pas. Non, même s'il n'y a pas le mari. Même s'il n'y a pas le mari, on peut faire comme ça. Un demi aussi. Elle a un demi. Et elle a un sixième. Ça complète les deux tiers, c'est ça? Bah, deux tiers. C'est un tiers plus. Un sixième plus un demi. Deux tiers, c'est égal à 4/6. D'accord? Elle a un demi. D'accord, c'est 4/6. Elle, elle a un demi. Un demi, ça fait combien? Ça fait 3/6. D'accord? Et elle, elle a 1/6 pour compléter les deux tiers. Les deux tiers, c'est 4/6. Elle, elle a déjà pris 3/6. Qu'est-ce qu'il faut pour compléter les deux tiers? 3/6. Et elle, elle a bien la moitié, et elle aussi, elle a bien la moitié, et elle, le sixième. Et on doit se débrouiller pour leur donner à chacune leur part, sachant que là, moitié plus moitié, ça fait le total. Donc là, on va être obligé de, d'enlever une partie de la moitié de la fille, une partie. Hein? Ça marche pas, parce qu'il y a la fille. La fille, elle ne fait pas le plus de sur la sœur, Germaine? Non. La fille ne fait pas le plus sur la sœur, Germaine. La sœur Germaine. Non, sœur Germaine, elle ne cache pas la sœur Germaine. Et donc à tout à l'heure, le frère Germain n'avait pas touché l'héritage sur ça. Oui, parce qu'en fait, ouais, parce qu'en fait oui. C'est pas parce que le fils cache le frère que la sœur forcément cache la. Que la fille cache la sœur. En fait, la sœur, la fille a mis un seul cas. Que la fille cache, la fille, elle cache la sœur utérine. La fille, elle cache la sœur utérine, mais elle cache pas la sœur ni germaine, ni, ni consanguine. Pourquoi elle cache la sœur utérine? Pourquoi elle la cache? Si elle la cache, hein. وإن من الإنهالك ليس له ولد وله أخت فلها النصف. Donc s'il y a des enfants, il aura pas النصف. Comment? Dans le verset là. Ouais. وإن من الإنهالك ليس له ولد وله أخت فلها النصف. Ouais. Mais ça on a dit que c'est l'Ikhwa des Ombres. C'est la sœur utérine. Ça c'est dit, elle cache la sœur utérine. Parce qu'il y a un Farawarif qui est la fille. Dans ce verset, on a dit le Ijmer que c'était les sœurs, ici les sœurs et les frères utérins, pas les sœurs consanguins. Est-ce qu'il n'y a pas l'Ukhth et Shariqa? Non? Parce que là, il ramène l'Ukhth et Shariqa ou l'Ukhth et l'Ukhth, il ramène ce verset-là. Comment ça? Dans le texte. Il ne dit pas que la fille. Il ne dit pas que ça cache. Il ne dit pas que la fille est un hajj pour les deux. Ouais, mais bon, donc après, on fait comme vous, on passe de 6 à 7. Bah, tu passes de 6 à 7 et tu donnes. Normal. Et tu multiplies par le nombre de têtes. Donc ça fait 14, donc ça fait. Attends, donc là on a 10. 3 têtes. 3. 3, 3. 3, 3, 1. Ça fait 7. Non, oh, bah c'est bon, c'est ça le partage. Tu veux pas faire ça? Pourquoi tu multiplies par 3? Pourquoi multiplier par 3? Il n'y en a qu'une sœur ici. Pour avoir la part. Bien. Après, c'est quoi la part de chacun? Non, après, ça fait 3. Ah, tu divises par ça, tu fais 3-3. 3-3 et 1-7.
C'est s'il y avait ici plusieurs sœurs consanguines qu'on aurait fait le, qu'on aurait multiplié. Et là, vu qu'il n'y a qu'une tête, tu multiplies 1 par 7, c'était 7. Et si c'était 2 sœurs, tu aurais fait 14. J'aurais fait 14. 14, après 6, 6. Et... Alors, on aurait fait 6, 6. 6, 6, 6, et 1, avec un deuxième sœur. Ouais, j'ai compris ça. Ouais. C'est bon? On va s'arrêter ici, je pense qu'on va pas faire un cours de la prédé aujourd'hui.